Le choix qui a été fait pour ce bâtiment, c'est de partir sur un niveau E4-C2. Dans le cadre de la démarche E+-C-, donc énergie positive et bas carbone. Et nous sommes au maximum de l'énergie positive, c'est-à-dire que nous allons avoir un bâtiment qui va produire plus d'énergie qu'il ne va en consommer. On a fait le choix d'avoir ce parti pris constructif audacieux. On n'est pas les premiers, pas les derniers, mais en tout cas sur le secteur, on a mis la barre extrêmement haut. La commune a voulu être exemplaire sur ce chantier et faire un bâtiment démonstrateur. Je dirais que c'est un projet innovant, constitué d'une ossature bois avec des murs béton en bas carbone. Donc les murs bois, ils sont remplis en bottes de paille comme isolation. Et puis on a des enduits à base de chaux à l'extérieur et des enduits à base de terre à l'intérieur. C'était un choix de travailler avec du local, donc la paille locale, le bois local. Et puis la terre, en fait, c'est la terre du chantier qui est récupérée pour réaliser les enduits. On est en cycle court, c'est-à-dire que la terre qui est utilisée pour faire ces enduits-là, elle était extraite du site. Et dans quelques siècles, s'il faut qu'ils détruisent cette classe, notre terre, en tout cas, elle pourra retourner sur le site. On a toute cette conception écologique, quelque part, mais on a également le confort des usagers. Et dès le départ du projet, nous avons réfléchi sur comment les enfants vont vivre, comment le personnel enseignant va enseigner dans le bâtiment, comment le personnel de service va travailler dans le bâtiment, comment est-ce qu'ils vont être bien. Et c'est une grande fierté de pouvoir travailler sur un bâtiment comme celui-ci. On a beaucoup de demandes déjà de visites, d'explications sur le biosourcé. On commence à être très sollicité et on va être sollicité au fur et à mesure. Mais ça nous permet aussi de nous montrer, mériterez-vous, que nous sommes exemplaires, que nous pouvons faire des choses qui sont vertueuses. Et derrière, quand on va demander aux promoteurs, dans le cadre de l'écoquartier, d'être dans la même démarche que nous, on leur dira, nous on l'a fait, alors faites-le également.